Je vais essayer de voir ça rapidement. Bon, en attendant cela, il y a différents types d'implémentation de sécurité. Vous avez entendu parler aujourd'hui de ce qu'on a fait, par exemple, là, c'est sécurité par session. C'est juste par session. D'accord. Il y a le JWT qui permet de générer des tokens. D'accord. Tu t'authentifies. Il y a même, si vous voulez utiliser certaines API, si vous allez sur la plateforme, vous créez votre compte, vous faites tout. Après, il vous génère juste une clé. Une clé de API. Donc, la clé API, c'est comme un token. Donc, pour toutes les requêtes que vous voulez envoyer, vous mettez alors ces tokens en paramètres pour pouvoir faire ce truc-là. Nous avons les authentifications out-d. Et c'est un peu comme les applications aujourd'hui. Quand vous voulez, vous dites utiliser Google, ou bien se connecter avec Google, ou bien se connecter avec Facebook. D'accord, c'est les authentifications out 2.0. D'accord, donc c'est que c'est pas le même qui gère l'authentification. Nous avons une autre base qui gère l'authentification. Il y a les authentifications par LDAP. Quel connaît ce qu'on appelle LDAP ici? Bon, c'est un peu ce qui est utilisé au niveau dans les entreprises. Enfin, si pas même les MTN, les banques, ouais, ils ont un compte. Et à travers ce seul compte, ils ont accès, je vais dire presque à toutes les applications. Donc c'est ça qu'on appelle authentification par LDAP. Donc dans chaque application, on configure le lien de l'authentification vers le LDAP, le serveur d'utilisateur, de base d'utilisateur. Donc c'est là le client va s'authentifier. Donc c'est vraiment pratique. Si tu veux développer des applications pour les entreprises, il faut maîtriser ça. Parce que souvent, par exemple, si je fais quelque chose à MTN, on me dit, tu ne vas pas faire quelque chose pour les dire encore, vous devez créer les utilisateurs avec tel rôle, ils vont te dire non. Nous, on a déjà nos utilisateurs. Débrouille pour que ton application vienne communiquer avec nos utilisateurs. Notre base LDAP. Et là, vous allez passer par là pour communiquer. Je dois avoir un fichier très simple ici. Bon, moi, je vais déplacer ça, non, mais il peut pas déplacer ça. Il peut déplacer ça.
Mais le projet, si le projet est privé là. Non, c'est vrai, c'est le sécurité. Je veux autoriser des ressources que je veux dire non, ça avant d'accéder à des ressources là, là il faut être authentifié. Et si par exemple moi j'ai autorisé tout ça ressources là, parce que tout le monde a continué de faire, c'est la partie statique, la partie qui affiche le qui affiche les consoles, ça a besoin d'être sécurisé. Donc j'ai dit à l'autorité par la. Après cela, je dis, maintenant tout ce qui commence par API, qui se passe par là, on va faire des ressources, on doit faire l'identité, on doit faire l'identité. Voilà, quel type d'identité on avait utilisé. Là, on va utiliser l'identité physique, on va utiliser l'identification basique. Défini les utilisateurs en mémoire. Sans, l'application est là, d'accord. Mais je connais déjà, c'est que quand j'utilise admin, le mot de passe c'est admin. Quand j'utilise tel de nom, vous pouvez configurer aussi les utilisateurs comme ça. Si vous ne voulez pas avoir une base de données, pour des trucs simples, vous pouvez faire ça. Mais là où ça, là, par exemple, c'est pas conseillé, c'est que vous avez fait votre application, vous avez envoyé en production. Mais si par mégas vous donnez le mot de passe à quelqu'un, c'est fini. Vous ne pouvez plus changer. Vous ne pouvez plus créer des utilisateurs comme vous ne pouvez plus modifier ou des choses. Donc c'est le type d'identification. Ça c'est la manière basique. C'est comme je vais vous dire là, c'est à passer au monde. Vous voyez que tu as trouvé un document basique à démontrer. Donc pour dire à Aspect que c'est un fichier de configuration, il faut ajouter our base configuration en haut. Maintenant, pour dire que on veut activer la sécurité du web, il faut ajouter our base enable web security. Donc en même temps, il sait que au niveau de la classe là, c'est comment gérer la sécurité qu'on a et aussi la classe est un peu. Ajouter des configurations. Donc si il veut faire copier-coller de ça et quand il va faire copier-coller on aura pu utiliser on doit voir qu'il y a un mot on n'a pas encore parlé. Ok, il y a okay, on a parlé de nom à l'âge. Ok, on a développé notre application, mais il faut le déployer, ouais.
comment est-ce que le déploie. D'accord. Comme au début, on vous a expliqué, quand on était en train d'expliquer la différence entre un fichier WA et un fichier SHA. Donc, pour déployer une application Spring, je peux construire un jar. Et puis, je construis un jar, je lance juste le jar, on va faire tout à l'heure. Et ou soit tu veux, qui veut déployer sur une autre application, un autre serveur, qui est par exemple Tomcat, qui est déjà installé sur une autre machine en production, ou sur WeFly, ou sur Transfer, ou comment on appelle ça. Donc du coup là, je suis obligé de compiler mon application en un Word. Et là, comme ça, les autres applications peuvent utiliser facilement. On va regarder. Je vais parler des avancées. D'accord. Donc il y a par exemple une particularité dans Spring Boot 2. Parce que actuellement, nous sommes à la version 2. D'accord. La version 2 qui évolue. Vous allez voir que c'était 2, 2, 1, quelque chose. Donc, et on a par exemple les Spring React, les WebKit. Donc, quand on parle de React, c'est quoi? Aujourd'hui, on veut développer les applications, mais on veut que les applications réagissent automatiquement. Genre, quand j'envoie une requête, ou bien si c'est tel nouveau service qui envoie la requête en même temps là, que celui qui récupère les données savent qu'il y a déjà une donnée qui est disponible et ajoute ça automatiquement. On n'a pas besoin d'actualiser la page ou bien de faire. Genre, c'est du programmation réactive quoi. Donc, du coup, ils ont intégré ça aussi dans Spring, en utilisant par exemple la librairie qu'on appelle WebFlux, qui te permet de faire quoi, de poster des trucs, ou bien tu veux enregistrer beaucoup de données. Parfois, quand on lance, je veux poster étudiant, classe et consort. Donc, j'ai fait tout l'objet, d'accord, dans différents trucs que je veux enregistrer. Donc, je peux faire de telle sorte que, même déjà en enregistrant déjà l'étudiant, il peut déjà me retourner l'étudiant, mais continuer à enregistrer par exemple sa classe, son niveau d'études, tout quoi. Donc c'est une manière de procéder pour ne pas bloquer l'application. Les gens disent développement non bloquant. Ouais, je pense que ce qu'on est en train de faire, quand je lance une requête, ça tourne, ça m'envoie d'abord des résultats. Imaginez là où j'ai fait Findle, où il y a beaucoup de données, plus de 1000 données dans la base de données. Donc il doit chercher toutes ces 1000 données avant de me retourner le résultat. Pour ça, j'ai envie d'utiliser la pagination. Ouais, un peu. Mais avec le réactif, dès que j'ai dit je vais récupérer les 1000 données et je vais lancer la requête, il peut déjà commencer par récupérer 5 qui m'envoie. Récupérer 10, il m'envoie ça. Donc c'est que je ne veux pas que je suis là en train d'attendre pour que le bas finisse de faire son travail. Pardon. Il est réactif. Okay? Donc il y a des librairies de Spring Cloud. C'est un site de librairie de Spring Cloud qui permet de faire quoi? De développer développement natif, natif pour le cloud. Là. Donc du coup, j'ai envie de développer plusieurs. Ouais, c'est à peu près qu'on veut de faire. On va développer plusieurs comme ça. Maintenant, après avoir les développer, il ne faudrait pas que. Chaque fois que je vais consulter IS, je dois connaître l'URL de IS pour indexer IS. Je vais continuer Y, non. Donc, avec l'architecture du Spring Cloud, tu peux tout centraliser dans un gateway. Et là, tu connais juste l'adresse du gateway qui te simplifie la vie. Tu peux faire appel à tous tes microservices. Je parle un peu de Spring. Spring Batch. Spring Batch, c'est quoi? C'est un peu, tu veux faire des tâches programmées, des schedules. C'est un peu comme si je veux que tous les fins du mois, tu calcules le salaire des employés, d'accord, et tu les envoies des notifications par mail. Donc, tu opères les virements, les trucs là. Ouais, un peu. Donc, c'est des actions qu'on fait, qu'on ne veut pas chaque fois qu'il faut pas que quelqu'un soit là chaque fois avant de déclencher ça, quoi. Donc, l'application même fait que tous les 30 du mois, je dois envoyer telle chose, mais je dois faire tel genre de calcul. Donc avec Spring Batch, vous pouvez faire tous les process quoi. Genre, non, il faut d'abord que tu calcules. Il faut que tu vois que est-ce qu'il n'a pas eu il n'a pas demandé des permissions dans le bois. Et comme ça. Donc lui est capable d'aller fouiller dans toutes ces tables-là. Pour dire, ah, s'il a demandé permission, c'est pour combien de gens. Il calcule le nombre d'heures que tu as même fait. Il est même capable d'aller se connecter au contrôle d'affaires. Pour voir tes entrées, tes sorties, et calculer le nombre d'heures que tu as fait dans le mois, générer ton salaire,
et même virer ça, si c'est une banque qui va virer le salaire, il va t'envoyer des notifications, tout là. Donc tout cela, toutes ces procédures seront automatisées. Là, on n'a pas besoin de venir faire ces calculs ou bien à la fin du mois pour déclencher pour chacun. Non. Donc avec Spring Base, ça donne ça renforce les librairies de Spring à faire ces tâches qui sont un peu lourdes, mais qu'on veut automatiser. C'est ça. Donc, il y a encore plein de choses qu'on peut faire avec. D'accord? Donc on peut visiter le site Spring. IO project. On va voir un peu si à quoi ça ressemble. Tu as développé ton logiciel, mais qui n'est pas utilisé de la même manière dans les entreprises. Par exemple, peut-être ici, on fait d'abord après l'accueil d'un client, d'accord, on l'envoie peut-être chez DA avant qu'il n'aille chez le directeur. Alors que les autres, eux, ils disent non. Quand le client vient maintenant après l'accueil, il va directement chez le directeur. Donc tu n'es pas obligé censé à recoder chaque fois ce process-là. Non. Donc avec Cloud Dataflow, on définit des schémas, d'accord, qu'on peut attribuer à des organisations spécifiques. On dit bon, ici, quand ça charge le schéma, il sait que bon, quand il quitte A, il va à B avant d'arriver à C. Par contre, de l'autre côté, on lui a dit non, quand tu quittes A, va à C. On peut de revenir à B ou bien non, tu continues. Donc c'est là, ça permet de définir, de faire de la programmation, de définir ce truc là. On a Spring Data, on a utilisé, on a le Security, on a Spring Batch, comme on l'a parlé maintenant, le reste, donc, il y a beaucoup de trucs quoi, Spring Model, je ne peux pas tout dire, vous pouvez faire un tout petit appel pour aider à voir un peu les détails de ce que chaque librairie permet de faire. Il y a beaucoup de trucs. Donc le reste, si vous avez des préoccupations, vous pouvez toujours me contacter. Oui. Tu peux mettre ce guide là. Oui. Maintenant. Oui. C'est quoi ce problème là? Alors, je ne sais pas trop c'est quoi les objectifs. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez créer une communauté. Si oui, on peut faire venir samedi et encore au pas. Si on veut créer des